Maintenant, Frère Branham nous a enseigné au sujet de l'âge de l'Église de Smyrne. Lorsque Paul, qui était le messager du premier âge de l'Église, après que Dieu l'a retiré de la scène, l'Église a commencé à s'éloigner de la parole. Alors nous savons que Dieu devait envoyer un autre messager pour ramener les gens à la parole. Ce messager était Irénée. C'est cela son nom. Irénée. C'était la prochaine étoile que Dieu a envoyée de sa main. Les sept étoiles dans la main de Jésus. Maintenant, à l'époque d'Irénée, oui, c'est cela. À l'époque d'Irénée, Frère Branham dit que la majorité de toutes les églises que Irénée possédait en France, il était de la France, elle possédait toutes les dons de l'Esprit. Elle possédait les dons de l'Esprit. Il dit qu'elle ressuscitait les morts. Tu te souviens que Paul ressuscitait les morts? Il a dit que la guérison était quelque chose de courant dans toutes les églises. Les miracles étaient fréquents. Ainsi, partout où la véritable église va, elle a toujours ces choses. Ils ressuscitent les morts, ils ont la guérison. Et bien sûr, ils restent avec la parole. Voilà le plus important. Ils restent avec la parole. Mais Smyrne était une église persécutée. Parce que ce qui s'est produit, il y avait beaucoup de gens. Une église persécutée. Irénée était le conducteur de la vraie église. Et Jésus aime la vraie église. Il aime la vraie église. Mais il y avait une église. Il y avait une autre église qui s'élevait. Et c'était la fausse église. Il hait les œuvres des Nicolaïtes. Parce que ce qui se produisait, il y avait une prêtrise qui s'élevait. Et elle prenait la place du Saint-Esprit. Ils ne voulaient pas rester avec la parole. Ils voulaient qu'une prêtrise les dirige et non le Saint-Esprit. Alors ils sont devenus très amers envers la vraie Église. Mais Dieu a toujours été avec la vraie Église et il leur a dit qu'ils devront endurer de nombreuses afflictions, mais Dieu sera avec eux. Alors, Irénée a conduit cet âge de l'Église. Et très bientôt, nous verrons qui sera le prochain messager. May men and women tonight catch the vision. Understand what God's program is for this last day.